جون جاك لافون بلبنان، قلت لكم عارفين ب 11 الشهر عندكم موعد بلجند بدبي لحفله اكيد قرب عيد الحب سان فالنتين. رح تقدروا تعيدوا مع جون جاك لافون مع اغاني بتحبوها كثير، اغاني مطبوعه بذكرتنا. جون جاك لافون كاتب مؤلف موسيقي مغني ورسام فرنسي، عنده اغاني الحب يلي عرف فيها والرومانسيه من الثمانينات. عالميا عنده شعبيه كبيره، بلبنان عنده شعبيه كبيره كمان. مين ما بيعرف لو جيان دو بابيي سي بوكو ميو كوم سا، وكثير من الاغاني الثانيه يلي بعدها عايشه لليوم من الثمانينات لهلا، بالاضافه اكيد لاغاني كثير كمان جديده رح تكون بالريبرتوار ب 11 شباط بالليجند. مسيو جون جاك لافون، فوز ايت لو بيانفينو دون نو ستوديو. ميرسي بوكو. ميرسي بور ايتر فينو. فوز الي ايتر افيك لو بوبليك ليباني لو 11 فيفريي بور لا سان فالنتان. لو جور دو لامور. لو جور دو لامور. بيان سور. بيان سور، اون بيل سواري، سا فا ايتر ان بو ريبرتوار كوم دابيتود. وي، اون فا سورتو سامويزي باسكو اون فا راكونتي دي بيتيز سور سين. Et puis je vais chanter toutes mes chansons qui ne parlent que d'amour, pas de négativité. Ce géant de papier qui a duré, ce tube qui a duré pour 30 ans, vous avez imaginé que ça va être un tel succès? Alors même pas, tout le contraire, c'est une chanson qu'on ne voulait pas mettre dans l'album, mais il manquait une chanson, on a mis le géant de papier. Personne n'y croyait, puisque ça faisait, elle a tourné dans tout le métier pendant 9 ans. Sardou l'a enregistré, Dimitri Roussos l'a enregistré, Le Normand l'a enregistré. Et puis ils ne l'ont pas sorti, donc personne n'en voulait de cette chanson. Et voilà, c'est la magie, on ne peut pas savoir, on ne peut pas faire exprès un tube. Mm-hmm. Je crois que c'est une communion entre le texte, les paroles, le chanteur, et c'est le public qui décide, bien sûr. Des fois, on ne peut pas comprendre le public en avance. On ne peut pas, jamais, c'est ce qui fait le charme de ce métier. Mm-hmm. مثل ما عم بيقول جون جاك لافون اللي موجود معنا اليوم، برجع بذكركم رح تكونوا معه ب 11 الشهر بالليجند بدبي لتعيدوا عيد الحب، انه كل الشيء عمله بحياته هو للتسليه، وكمان ب 11 الشهر رح يكون في اجواء من التسليه، واكيد رح يكون ريبرتوار رائع كمان. ولكن عم نساله عن جيان دو بابيي يلي يعني عندها شهره عالميه مش بس بفرنسا وبلبنان، وين ما كان جيان دو بابيي اخذت نجاح وسكسي كتير كبير. إذا كان عم فكر أول ما عمل أو أول ما طلع هالأغنية أنه رح تعمل هالقد نجاح، بيقول أنه على العكس ما كان مفروض تكون بالألبوم وكانوا مستخفين فيها لدرجة، وكتير من الفنانين الكبار وصلت لهم هالغنية وما نزلوها بألبوماتهم، ولكن لسبب أو لآخر نزلت بألبوم جون جاك لافون واخذت هالسكسي العالمي، وانه الجمهور اوقات ما فينا نتوقع شو اللي بيعجبه وشو اللي ما بيعجبه، وهيدا الشيء اللي بيعمل سحر هالنوع من المهن. Alors c'est vrai que ce tube a été proposé à Michel Sardou et à beaucoup d'autres, mais ils n'ont pas accepté de. Ils l'ont enregistré, puis ils ont dit non, c'est une chanson qui marchera jamais, c'est trop slow. Alors moi je l'ai enregistré, c'était en pleine époque du disco. Juste quand il ne fallait pas. Mm-hmm. On m'a dit, mais vous êtes complètement fou. Et le disque est sorti au mois d'août, où aucun disque n'a ses chances au mois d'août, c'est déjà un peu tard. Donc tout était à l'envers. Et en plus, je me souviens, j'avais sur la pochette du disque un pull vert, ce qui est très mal vu dans le métier. Mm-hmm. Ça porte malheur. Enfin, tout était à l'envers, et puis ça a fonctionné. إذا بال 85 بعصر الديسكو ما كان المفروض يظهر تيوب أو أغنية من هالنوع، كان هالقد مستخف بالأغنية لما صورها جون جاك لافون، وكان لابس حتى كنزة خضراء يلي مش مفروض تكون كانت يعني منشافة منيح بعالم الفن أو عالم كمان التصوير. بس نحن أكيد مثل كل العالم بنحب لو جيان دو بابيي ورح نسمعه سوا. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd,
d'acier devant son corps de femme. Je suis un géant de parquet. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, un géant de papier. Oh, oh, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant un géant de papier. Il faut accepter qu'on est géant de papier devant une femme. Oui, bien sûr. Avant de chanter une telle chanson. De il faut être conscient, surtout. جيان دو بابي هالأغنية اللي كتير أخذت إذن من النجاح. بيقول جان جاك لافون كان عم يحكيني قبل الهواء أنه عنده سحر ما بيقدر يقول أكتر من هيك. سي دو لا ماجي. سي فريمون دو لا ماجي. Exactement ça. جان جاك لافون, vous et le Liban, c'est une histoire d'amour, quoi. Moi, je ne vis que dans l'amour. Dès que j'ai mis les pieds au Liban, je me suis senti chez moi. On aurait dit que j'avais déjà vécu. Donc, je n'étais pas vraiment étranger à cette ville. Depuis quand vous prenez les bains? Oui. Ah, c'est très précis, depuis 1991, juste à la sortie des événements dramatiques. Et puis ça a été un coup de foudre et je n'ai jamais quitté. J'aime le Liban, les Libanais, et ils me le rendent bien. Donc vous venez souvent alors? Chaque année, dès que je peux. Vous attendez un enfant maintenant? En plus. Mabrouk. Merci. Mabrouk, votre femme est ici. Mabrouk aussi, madame. Une nouvelle vie, c'est quelque chose... Tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est une nouvelle aventure. C'est un redépart, une deuxième vie, allez. Jean-Jacques Lafon, le temps de كمان متزوج من لبنانيه وموجوده معنا اليوم. بنقول مبروك لانه بعد كم اسبوع راح يكون في كمان حياه جديده بين هالكوبل, راح يجي على الحياه. بنقول لهم مبروك. سيت سان فالنتان, vous serez au Liban, au Legend à Dubaï. Il y a un répertoire bien sûr exceptionnel comme d'habitude. Voilà, puis il y aura beaucoup de choses improvisées. Je chanterai quelques chansons piano-voix. Voilà, comme ça, je montrerai comment j'écris les chansons. Je pose les mains au hasard, les paroles viennent en même temps. Et c'est vraiment, je vis dans l'amour et la magie. Tout simple. مثلا بريبرتوار 11 الشهر باللجند رح يكون في اكيد اغاني بتعرفوها, بس رح يكون في كمان مفاجآت كثيره مثل ما عم يقول جان جاك لافون, ورح نقدر يمكن نحس ونشوف كيف بيطلعوا معه الالحان وبتطلع معه الغنيه. خلينا نشوف سبوت عن هالحفله. Regard de feu, voix de velours. On savait faire battre les cœurs avec style, feeling et humour. Quand on était la Pinover,
gala ou à la télé. Notre numéro de charme avait toujours le même succès. On n'oubliera jamais nos chansons en ballet et toutes les piboulées des dédicaces privées. On n'oubliera jamais ces moments partagés. Les filles nous aimaient et nous on y croyait. Quand on était Latin lover, d'un seul coup d'œil on repérait celle qui ferait notre bonheur et qu'à coup sûr on comblerait. Quand on était Latin lover, oui on vivait au jour le jour comme les plus grands séducteurs, juste de passion et d'amour. On n'oubliera jamais nos chansons en ballet et toutes les filles boulées, les dédicaces privées. On n'oubliera jamais ces moments partagés. Les filles nous aimaient et nous on y croyait. Quand on était Latin lover, rien ne laissait penser que voir tourner les heures nous ferait regretter. Ce temps où on chantait ces refrains qui plaisaient à ces filles qui rêvaient de vivre à nos côtés. Les années ont passé, ça se voit, on le sait, mais ce qu'on dit est vrai, on n'oubliera jamais. Nanana, nanana, nanana. Chansons en ballet et toutes les filles boulées, les dédicaces vivées. On n'oubliera jamais ces moments partagés. Les filles nous aimaient et nous on y croyait. On a vu la Latin Lover avec Claude Barzotti et Hébert Léonard. C'était ça, amusant, ça se voit. C'est vraiment une histoire de copains pour rigoler, pour se moquer de nous. On n'a jamais été Latin Lover, on n'était que des chanteurs d'amour. Mm-hmm. Très romantique. Oui. Bien sûr. Fazan, كنا عم نشوف ثلاث ايقونات اذا فينا نقول بالاغنيه الفرنسيه لل يعني لسنوات الثمانينات، كلود بارزوتي، هربير ليونار، وطبعا جان جاك لافون مع لاتين لوفر. هالاغنيه اللي كمان مثل ما عم بيقول جان جاك لافون دائما الهدف هو تسليه، ولا مره كانوا لاتين لوفر ولكنهم دائما مغنيين حب ورومانسيه. لا شانسون مودرن فرانسيز، elle est différente. Comment vous la voyez ? La chanson d'aujourd'hui, mm-hmm. c'est toujours la même chose, différent. Mais c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais rien d'établi, jamais rien de certain, jamais, il n'y a jamais de code, il n'y a pas de recette magique. Mm-hmm. C'est au bonheur du public. Voilà. C'est toujours le public qui décide, quoi qu'il arrive. On ne peut pas dire qu'il y a une chanson mauvaise. Tel chanteur est mauvais. Si ça marche, c'est que le public a aimé. Et c'est lui qui a raison, toujours. Après l'expérience avec le géant de papier. Bien sûr. Comme je disais, Jean-Jacques Lafont, je lui ai parlé de la française française, et si elle m'a fait à l'aïe, elle m'a dit que le jumeur est celui qui a dit que la française est capable de faire le jumeur et de faire le jumeur. Donc, c'est une française française. Et l'expérience avec le géant de papier, بالنسبة له بتبرهن كمان هالشيء. Au Liban, vous allez être le 11 février, encore une fois, on rappelle tout le monde. L'année passée, vous étiez avec M. Claude Barzotti et c'était un succès aussi. Oui, bien sûr. Mais Claude, on se suit. Il va en Afrique, j'y vais juste après ou j'y vais avant, il arrive après. On a un parcours un petit peu similaire parce que c'est des chansons d'amour, de Latin Lover, romantique surtout. Voilà, donc et c'est un public, les chansons en général s'adressent aux femmes et en toute simplicité.
فاذا اجواء رح تكون حلوه بعيد الحب السان فالنتين بلبنان باللجند بدبي. كمان بنشوف سبوت بيعرفنا اكثر عن هالحفله. Dans le cadre d'une nuit nostalgie et à l'occasion de la Saint-Valentin, on n'oublie jamais vraiment. Jean-Jacques Lafont est le samedi 11 février. On avait rêvé. Dîner de gala dans le cadre féerique de The Legend Dubaï. Jean-Jacques Lafont, vous êtes psychothérapeute aussi? Oui, alors ça c'était, il fallait bien démarrer ce métier avec quelque chose de sûr dans les bagages. Mm-hmm. Ça a rassuré mes parents, ça m'a rassuré aussi. Je n'ai jamais exercé. Je n'ai fait que... Ah, vous ne pratiquez pas? Jamais. Il vaut mieux pour les... Mais c'est un art aussi, la psychothérapie. C'est de l'art, mais on peut faire de la thérapie avec la chanson. C'est beaucoup mm-hmm. plus... C'est moins lourd. Vous utilisez la musicothérapie. Votre bagage dans la chanson? Non, jamais, justement. C'est pour ça que je dis ça. Je ne me suis jamais servi de connaissances psy pour manipuler les gens, ou pour, etc. جان-جاك لافون كمان هو معالج نفسي أو درس هالمهنة. بيقول أنه لحتى اللي يكون دايما لما بفوت الشخص بالفن بلكي ما يقدر يوصل لمطرح ممكن حتى اللي يريح أهله, يعني مش بس بلبنان بدنا نريح الأهل لحتى اللي يكونوا مطمنين بينهم على مستقبلنا وين ما كان. كمان فكان المفروض أنه يكون عم يدرس شيء بطعم خبز, ولكن طبعا الفن بالنسبة لجان-جاك لافون كان هو النجاح. ولكن بيقول أنه البسيكوثيرابي اللي طبعا هي كمان فن ما استعملها أبدا بالأغنية, ولكن الأغنية بحد ذاتها هي علاج نفسي, والموسيقى بحد ذاتها هي علاج نفسي. Et la peinture? La peinture c'est une passion. Moi quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Mais à fond, hein, même si je vais déplacer les montagnes s'il le faut. Donc, c'était vraiment un besoin. J'avais vraiment besoin de peindre, d'exposer, d'essayer cet univers. Mais je me suis aperçu très vite que j'étais fait plus pour la chanson que pour la peinture. J'ai laissé de côté. Mais je suis content d'avoir essayé cette expérience. Pourtant, vous avez des tableaux magnifiques, des chefs-d'œuvre magnifiques. Le piano, la chanson, c'est un besoin, c'est vital. Mm-hmm. La peinture, c'est pas vital. Mais peut-être ça va revenir, c'est par période tout ça. عم بسألوا على جان-جاك لافون عن الرسم يلي يتقنه, وفعلا في لوحات رائعة وكان عنده أكثر من معرض. بيقول أنه بالنسبة لإله الرسم بيجي سنوي بالنسبة لإله, منه هو الحيوي بحياته, بينما الموسيقى والغنية ما بيقدر يعيش بلي هون, بل بمراحل جاية بيكون ممكن يرجع على الرسم لأنه الحياة هي مراحل. Et pour le futur, vous avez des tournées, des albums, de nouveaux tubes? Oui, alors je suis en pleine préparation d'un nouvel album. Maintenant, j'ai décidé de sortir un nouvel album chaque année ou chaque deux ans. Donc, je suis en pleine écriture. On va voir ça d'ici l'été, je pense. Et puis, j'ai deux grosses tournées en attente. Je n'en parle pas tant que ce n'est pas signé. Mais c'est à 90%. Je serai sur les routes à partir de fin d'année 2017. En tournée. إذن رح يكون عم يبرم جان-جاك لافون بأكثر من بلد مع أكثر من جمهور, وبنعرف أنه عالميا عنده شهرة كتير كبيرة. وعلى كل حال مين ما بيحب الأغاني الرومانسية وخاصة أغاني الثمانينات وأغاني جان-جاك لافون بالتحديد. وإنما بلبنان رح نشوفه ب 11 شهر باللجند بدبي ضمن النوي نوستالجي, فأكيد رح تكونوا على الموعد. جان-جاك لافون, vous êtes le bienvenu au studio de la MTV. Merci. Toujours le bienvenu au Liban. Mabrouk encore une fois pour le nouveau né. Assalam, on dit en arabe. Vous parlez le libanais déjà? Non, je comprends un vous petit comprenez, peu. Alors. Je n'ose pas parler, mais ça va venir. Promis, la prochaine fois, on le fait en libanais. Merci beaucoup pour Merci être avec nous. Vous êtes le bienvenu. On vous attend le 11 février avec impatience. فإذن ب 11 الشهر فيكن إذن تشوفوا جان-جاك لافون بلجند دبي. من هلأ من إلكن عيد فالنتين حلو لكل العشاء, وموعد جديد أكيد من ألايف بكرة الساعة 10:30 نهار الأحد, وأحد مبارك على الجميع. باي باي.